Faire une rébellion, il faut avoir beaucoup de moyens. Déjà, en armement, les armes coûtent très très cher. Et il faut avoir des troupes qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller, qu'il faut soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte énormément d'argent, beaucoup d'argent, des millions. Peut-on penser un seul moment que Nanga est en mesure de pouvoir dépenser autant des millions par mois, parfois, même si on sait qu'il a... bien sûr qu'il a mis la main sur une partie du financement de la CENI, ça c'est une évidence. Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir aujourd'hui entretenir une rébellion de ce type-là? Non, il y a des financements extérieurs. Du Rwanda, parce qu'il y en a. Du Rwanda. Et de l'Ouganda. De l'Ouganda et de Joseph Kabila, comme le président l'a dit. C'est pas moi qui l'invente. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'ombre. Je pense que j'espère que nos services de renseignement sont peut-être placés pour savoir détailler qui est qui. Hein. Mais il y a plusieurs acteurs qui sont derrière, et même le Rwanda. Vous savez, quand le Rwanda est avec l'armement qui est là aujourd'hui, mais le Rwanda n'a pas les moyens de pouvoir s'octroyer cette technologie militaire dont il dispose aujourd'hui. Pas du tout. C'est une armée de combien de personnes? De 33 000 hommes. Avec un budget de combien? D'environ 200 à 300 millions. Nous avons un budget de combien? Environ des milliards. Vous êtes fragilisé quelque part. Est-ce que la fragilisation a commencé avec l'entrée de l'AFDL? Absolument, oui, oui. Vous savez, l'AFDL, c'est un drame pour nous. C'est un drame? Un grand drame pour ces pays. Pas une libération comme... Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut que les gens cessent cette escroquerie morale, même intellectuelle. L'AFDL a été... un drame pour notre pays. Je viens de vous parler des cartographies qui ont été emportées, cartographies militaires de défense, emportées par ces Rwandais. Et jusqu'aujourd'hui. Mais ils prennent les documents, ils sont partis avec. Hein? Ils sont partis avec, ils ont copié, ils ont compris, voilà comment fonctionne le système de défense de la RDC. Voilà, il faut. Vous savez, la défense, il y a des choses qu'on a, des situations de faits et des éléments, des informations classées secret défense. Classées secret défense, que personne ne peut accéder à ça. Sauf, il y a les présidents de la République, l'état-major général, les services de renseignement. Ce sont eux qui sont habilités à accéder à tout ce qu'on appelle secret défense. Mais lorsque on vous vole, on vous vole vos cartographies de défense, ben, on sait déjà comment vous pouvez vous défendre. La guerre, c'est la politique faite autrement. Vous le savez très bien, la République démocratique du Congo est en guerre depuis presque 30 ans aujourd'hui, surtout dans sa partie est, où il y a aujourd'hui, selon certaines sources, 10 millions de morts recensés déjà, et actuellement 7 millions de déplacés, une situation qui endeuille toute la République démocratique du Congo. L'est de la RDC reste le ventre mou de tout un pays, et donc ça concentre beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, beaucoup donc d'efforts. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Entre les lignes, nous allons parler de l'insécurité. Mais cette insécurité vue sous un angle géopolitique, géostratégique, sécurité et défense. Pour en parler, nous recevons un expert en stratégie, sécurité et défense, monsieur Joseph Kamwanga, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Joseph Kamwanga, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Dada. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Je suis content d'être là. Alors, vous êtes expert en géo, expert en stratégie, sécurité et défense. Vous avez fait vos études en Sciences Po à l'Université catholique en France. Vous avez fait également la géopolitique à l'Université Paris 8. Vous avez fait également plusieurs études de stratégie et défense au CNAM. Le CNAM, c'est le Centre National des Arts et Métiers, toujours en France. Merci beaucoup de prendre part à cette émission. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, Monsieur Joseph Kamwanga, du point de vue géostratégique, la République démocratique du Congo
jouerait un rôle très important. Mais pour ceux qui nous suivent, les enfants qui nous suivent, ou ceux qui ne connaissent rien de la géostratégie, c'est quoi la géostratégie? Alors, la géostratégie, c'est simple. Mm-hmm. Vous avez la géographie. Mm-hmm. Sur la base de la géographie, mm-hmm. on peut mettre en place des stratégies mm-hmm. Pour pouvoir conquérir des territoires, mm-hmm. des stratégies pour pouvoir mener une guerre, des stratégies pour pouvoir soumettre un adversaire à sa volonté. Et c'est ça, c'est la définition de la guerre par Clausewitz, qui est un grand penseur de la stratégie militaire, qui définit la guerre comme étant l'affrontement de deux forces ayant comme objectif, pardon, de soumettre l'adversaire à sa volonté. Donc la guerre, comme vous l'avez dit au départ, c'est une continuité de la politique par d'autres moyens. Mm-hmm. Donc la guerre que nous vivons actuellement dans notre pays, à laquelle nous sommes d'ailleurs confrontés et soumises parce que ce n'est pas nous qui avons lancé cette guerre, mais ce sont des forces extérieures, l'M23 soutenues par le Rwanda, qui nous ont imposé la guerre. Mm-hmm. Et cette guerre se déroule sur notre territoire. Là, l'objectif de cette guerre, même si la rhétorique utilisée par les gouvernements aujourd'hui me semble ne pas être celle qu'il fallait déployer, la guerre qui nous est imposée, c'est une façon de nous soumettre à la volonté de nos agresseurs. Et cette volonté, c'est une volonté politique. Mmh. Volonté politique en termes de conquête des territoires, en termes de ressources, en termes également d'expansion territoriale du Rwanda vers le nord Kivu. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez le constater, par exemple, presque la moitié de nos territoires du nord Kivu sont passés du côté rebelle. Voilà. Donc c'est ça l'objectif de cette guerre-là. C'est-à-dire conquérir nos territoires et exploiter nos ressources. De quelle manière la géostratégie peut-elle être utile pour un pays qui est en guerre? De quelle manière la géostratégie peut-elle être utile ou aider un État à pouvoir emporter une guerre? Ah oui, mais la géostratégie, c'est d'abord la géographie, c'est la maîtrise de la géographie de l'environnement, la géographie du territoire ou d'un territoire. Il y a quelques années, on nous présenté comme étant les Congo, comme étant le centre géostratégique de l'Afrique. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'époque, pendant la période de la guerre froide, et puis c'est les Américains, les Occidentaux, avaient misé sur le Congo, sur Mobutu, pour pouvoir faire barrage à l'expansion du communisme. À l'époque, quand vous regardez tout autour de nous, il y avait l'Angola qui a basculé du côté communiste, les Congo-Brazzaville. Et donc, les Américains ont misé sur Mobutu, sur notre pays, sur le plan géographique, parce que nous sommes au centre de l'Afrique. Donc, géographiquement, nous étions un pays stratégique pour pouvoir faire barrage à l'expansion du communisme. Ce qui n'est plus le cas. Le mur de Berlin qui est déjà tombé depuis 1989. Donc, les centres géostratégiques de l'Afrique s'est déplacé. Ah bon? Voilà. Il est allé où? Vers l'Est. Vers l'Est? Parce qu'il y a des ressources. Il y a des ressources dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est là-bas les centres névralgiques aujourd'hui. C'est les centres géostratégiques aujourd'hui. Vous parlez de ressources. Oui. Quelles sont les ressources aujourd'hui géostratégiques qui font basculer le centre névralgique du centre vers l'Est? C'est quoi ces ressources-là? Nous avons par exemple, pour les pas tous, toutes les cités, les coltans.
Les cotons, par exemple, aujourd'hui, vous savez, avec la numérisation, la miniaturisation de comment on appelle, de pièces électroniques, et c'est par les coltans que la miniaturisation est possible. Aujourd'hui, je vois votre studio est entouré d'écrans plats et tout. C'est par la miniaturisation, c'est par aussi les coltans. Les portables que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux coltans que nous avons ces portables. Vous voyez, donc c'est stratégique. Donc il faut absolument s'équiper de ces ressources-là pour pouvoir créer, par exemple, en Europe, en France, un pays qui traverse une crise aujourd'hui, il faut des ressources, des matières premières pour pouvoir créer des industries, des fabrications de plusieurs appareils électroniques et créer des emplois, ce qui crée des emplois pour les Français. Et quand il y a des emplois dans un pays, quand il y a industrialisation, il y a aussi baisse de la pauvreté. Mais il y a développement économique. Tout à fait. Restons dans l'Est de la RDC. Vous parlez qu'il y a le coltan qui est une matière première stratégique. Aujourd'hui au monde, le centre du monde, de l'Afrique, est passé, plutôt le centre névralgique est passé du centre vers l'Est. Tout à fait. De quelle manière la RDC peut-elle tirer profit de son coltan? Parce que la RDC est parmi les premiers producteurs mondiaux du coltan, bien qu'après le Rwanda, la RDC est parmi aussi les grands producteurs du coltan. Comment la RDC peut-elle tirer profit de la production mondiale du coltan? Alors, sur cette question, il faut avouer que nous n'étions pas assez vigilants. Nous ne sommes pas parvenus à comprendre les mutations de ce monde. On n'a pas été capable de pouvoir se projeter, comprendre que le monde était en train de bouger et qu'il fallait également pouvoir opérer de réformes très profondes du point de vue défense et sécurité de notre territoire. Donc, nous sommes rendus compte tardivement, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces coltans est exploité et pillé. C'est depuis les années 90. Mobutu était encore là. Oui, mais c'est aujourd'hui, comme si on s'est réveillé, on se réveille et on se rend compte que non, c'est aujourd'hui on nous pille. On nous pille depuis. Dans la guerre de l'Est. Depuis la guerre du coltan. Les coltans n'a pas été découvert maintenant. C'est depuis les années 90, même vers les années 80. Mobutu le savait très bien. L'origine de Mobutu était bien au courant, mais n'était pas capable de pouvoir comprendre que c'était la matière première du 21e siècle. Le coltan. Les coltans. Voilà. Mais nous, on se rend compte, il n'est pas trop tard, mais je pense que nous avons beaucoup de retard. On a connu beaucoup de retard, déjà pour pouvoir réformer notre armée, moderniser notre sécurité et tout. Et donc, voilà, ça nous tombe dessus. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que, voilà, non, on nous impose une guerre pour le pillage de nos ressources. On nous impose une guerre pour le pillage de ressources, mais il y a un autre narratif sur cette guerre de l'Est, pas simplement une guerre économique, mais aussi une guerre, pour certains, c'est une guerre identitaire, une guerre où certains peuples qui ne seraient pas à l'aise au Congo, qui seraient traqués au Congo, qui seraient en insécurité au Congo, et ces peuples-là revendiquent justement son appartenance au Congo. Est-ce que cette thèse aussi tient-elle ou ne tient-elle pas? Non, à mon avis, ça ne tient pas, c'est de la manipulation. Vous savez, on a le Rwanda qui est derrière la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, qui nous fait la guerre. Les services de renseignement rwandais sont très performants, il faut l'avouer. Les services rwandais sont performants? Absolument, très efficaces. Comment ça? La manipulation, c'est aussi un des rôles des services de renseignement d'un pays. Les services de renseignement extérieurs du Rwanda qui intervient parfois chez nous. Mais qui amène des actions que nous ne voyons pas. C'est les rôles d'ailleurs d'un service de renseignement extérieur. C'est ce qu'on appelle les contre-espionnages. Donc il y a beaucoup
de la manip, hein, de oui. l'opinion, oui. Mais la guerre telle qu'elle est aujourd'hui, qui nous est imposée, c'est vraiment une guerre des conquêtes des territoires. Des territoires. Et des pillages des ressources. Il est possible qu'on perde totalement ou définitivement les territoires qui sont aujourd'hui occupés. C'est possible qu'on les perde. Pas du tout, on ne peut pas les perdre définitivement. Nous avons certainement, on doit l'avouer, avoir perdu quand même une grande partie de nos territoires, mais c'est, on peut les reconquérir. On peut les reconquérir. Aujourd'hui, nous sommes en cessez-le-feu. En cessez-le-feu. Et qui. À mon avis, qui n'est pas une bonne chose pour nous. Pourquoi ? Parce que le cessez-le-feu permet à l'ennemi de pouvoir se ravitailler en armes, en munitions, et encore à renforcer sa logistique. Et il permet également de pouvoir fortifier les territoires déjà conquis. Parce que c'est les statu quo actuellement. Chaque camp, donc on ne s'étire plus dessus, mais on est dans un... statu quo, mais chaque camp renforce, se renforce en hommes, en munitions, en armement, et même en conquête, disons, en administration des territoires. Parlons du M23 et le Rwandais, ça leur donne les répits, la possibilité, les temps de pouvoir maintenant réfléchir sur comment pouvoir vraiment fortifier leur position et pouvoir s'installer de façon pérenne dans ces territoires. Alors, monsieur Joseph Kamanga, vous êtes expert, je l'ai dit tantôt, expert en stratégie, sécurité, défense. La RDC aujourd'hui a perdu des pans entiers de son territoire. Oui. Dites-nous, en tant qu'expert, comment la République démocratique du Congo peut-elle s'y prendre pour pouvoir récupérer ces territoires du point de vue géostratégique? Il faut absolument, il nous faut mener des offensives. Mais on ne mène pas une offensive ou plusieurs offensives dans l'incertitude. Nous avons quand même un souci, un gros souci sur le plan de renseignement. Vous voyez ? On a un souci. Oui, mais d'autant plus que nous avons toujours été, nous menons depuis le début de cette guerre, les généraux de corps d'armée ou généraux d'armée, il a dit lui-même. Et pourquoi sommes-nous toujours en défensive? Pourquoi le positionnement de notre armée est toujours en défensive? Donc il y a un souci des renseignements, parce qu'on ne peut pas lancer une offensive si on n'a pas des renseignements stratégiques et opérationnels. C'est grâce à une guerre, c'est grâce aux renseignements qu'on peut mener une guerre et l'emporter. Sans renseignements opérationnels et stratégiques, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Vous savez, en Libye, pour pouvoir renverser la France, pour pouvoir renverser le régime de Kadhafi, n'avait pas des renseignements, n'avait pas le moyen de recueillir ces renseignements. La France s'est tournée vers les États-Unis, qui a des satellites, qui avait des données immenses, importantes, stratégiques, et qui les a transmis à la France. Ça permet à la France de pouvoir organiser l'offensive sur la Libye et renverser le régime de Kadhafi. Donc, quand vous voyez une armée qui est toujours sur la défensive, donc il y a un souci de logistique, souci des renseignements. Donc, il y a une incertitude. Parce que vous ne pouvez pas attaquer si vous ne savez pas qui et quoi et comment et où attaquer. D'autant plus que, vous savez, la guerre se déroule sur un territoire tout à fait, sur un environnement très escarpé. Escarpé, ça veut dire quoi? Vous avez des collines, vous avez des plaines, un peu de végétation, des rivières, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un environnement régulier. Donc, c'est un environnement qui est escarpé. D'autant plus, il faut la maîtrise de cet environnement. L'M23 s'est entraîné depuis plusieurs années, avant de pouvoir nous attaquer, à bien étudier. Voilà, je reviens sur votre question de la géostratégie. On étudie la géographie du milieu, la topographie du milieu. La topographie, l'étude du milieu. L'étude du milieu. Et en fonction de cela, on s'est lancé une offensive.
En fonction de cela, en fonction aussi des renseignements qu'on a sur l'ennemi, on sait son positionnement, où l'ennemi, les troupes de l'ennemi sont massées, les types d'armement dont il dispose, et voilà, c'est, et dans quel environnement se trouve-t-il pour pouvoir lancer une offensive. Selon vous, puisque vous dites que notre armée est sur la défensive, nos services de renseignement, il n'y a pas de renseignement pour pouvoir justement identifier. Mais dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire la force des renseignements au Rwanda? Je pense qu'il y a une réforme, il faut réformer en profondeur tous les systèmes de renseignement dans notre pays. Et créer vraiment une communauté des renseignements digne de ce nom. Le président de la République, dans son interview, je pense, a laissé déjà, a essayé de distiller quelques informations là-dessus. Il a parlé de la stratégie qui est derrière. Donc, nous pensons qu'à ce moment, tout est en train de se mettre en place pour pouvoir lancer des offensives et reconquérir ces territoires qui sont aujourd'hui entre les mains de... Est-ce qu'il faut des écoles de renseignement? Absolument. Par exemple, là, nous, moi, à l'université en sciences politiques en France, on étudie la défense, la sécurité en sciences politiques en France. On étudie l'économie, on étudie la géographie. Donc, c'est vraiment... les sciences politiques en France, ce sont les sciences qui sont ce qu'on appelle, c'est l'agrément, l'agrégation de plusieurs disciplines en une seule. La géopolitique, par exemple, vous n'apprenez que la géographie et la politique, c'est-à-dire les conséquences de la géographie sur la politique. Vous avez étudié la France, pas le Congo, donc vous n'avez pas les informations. Mais c'est universel. Mais oui, on peut les adapter chez nous. On les adapte. Ce sont il y a des notions qui sont parfois basiques et que l'on peut adapter dans l'environnement où l'on se trouve ou dans la situation où l'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut réformer nos services de renseignement. Oui. La réforme, bien sûr, nécessite la formation. Envoyer nos officiers des renseignements dans les grandes écoles des renseignements en France, en Allemagne, aux États-Unis. Le Congo a des écoles de renseignement dignes de ce nom, des écoles de renseignement dignes d'un pays. Non, on n'a jamais eu d'école de renseignement chez nous. Jamais eu d'école. Pas du tout d'école. Même sous Mobutu, tous les agents de renseignement que l'on peut appeler, qu'on appelle dans le langage de renseignement agents traitants, étaient envoyés soit en Israël, soit en Allemagne, soit en Russie et pour étudier. Et c'était à l'époque, c'était des personnes, vraiment des gens bien formés. Ils étaient minimum, ils avaient un diplôme, soit des licences en géographie, licence en histoire, en philosophie, et ils avaient également soit une licence en... C'était vraiment des gens bien formés, d'abord sur le plan universitaire, et ensuite qu'ils étaient recrutés à ce qu'on appelle au CND à l'époque, et ensuite envoyés dans des grandes écoles de renseignement en Europe, qui revenaient, et ensuite qui étaient déployés sur les terrains. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement congolais? Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement congolais pour rendre nos services efficaces? Parce que nous avions à l'époque... un service de renseignement très très efficace. Au Zaïre. Pourquoi les renseignements? Les renseignements consistent à anticiper. Anticiper, par exemple, une action, un complot. C'est grâce au service de renseignement, grâce à leur travail, ils recueillent des renseignements, ils les traitent, ils les transmettent à qui de droit? Chez nous, c'est au président de la République. Oui, qui reçoit chaque matin, j'ose croire, la synthèse de nos services de renseignement. Le chef d'État reçoit chaque matin et... Absolument. Au quotidien, il doit recevoir la synthèse de l'administrateur de l'ANR. Absolument, au quotidien. Voilà pourquoi on dit qu'il est les citoyens les mieux informés. Mais justement, mais il n'est pas seulement informé par l'ANR. Les gens se trompent. Les présidents ont plusieurs sources de renseignements. Telles que? Sont privées. Ce sont, comme tous les chefs d'État, ils ont comme d'autres sources de renseignements privées.
et auquel il confronte avec des renseignements officiels. Si vous voyez le président de la République a procédé avec beaucoup de changements au sein de nos services de renseignement depuis qu'il est à la tête de notre pays. Il a remanié pas mal. Il a viré pas mal de personnes qui étaient dans nos services de renseignement. Pourquoi ? Parce qu'il a fait. Pourquoi il l'a fait ? C'est dans les soucis d'améliorer notre système de renseignement et surtout d'avoir des gens qui sont très compétents dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons des renseignements efficaces ? Je reprends ma question. Il faut déjà avoir des agents de renseignement bien formés. C'est-à-dire que des gens qui ont la capacité qu'il culture. Mais oui, mais comment il est bien formé, des universitaires, s'il faut le dire en langage tout à fait clair, des gens bien formés dans nos universités et qui ne peuvent pas directement être envoyés sur le terrain, doivent, après leurs études, non, il faut les envoyer. Il faut 5 ans, minimum. Non, pas du tout. La licence, c'est 5 ans. 5 ans. Absolument. Minimum. Ah oui, absolument. Et au moins, il faut avoir 5 ans, un bac plus 5 chez nous. En histoire, en géographie, ou encore, je sais pas, en philosophie. Hein? Voici les domaines où, à l'époque de Mobutu, c'est là-bas, Mobutu recruté. Pourquoi ces profils-là ? Pourquoi ? Ce sont des personnes qui ont une capacité d'analyse très poussée. Un géographe, c'est quelqu'un qui analyse, qui a une capacité d'analyse hyper importante, hyper élevée. Un historien également. Et également, le licencié en droit. Et même des licenciés en psychologie. Non, là, vous. À l'époque, quand était. Pardon ? C'est toutes les disciplines, vous citez la géographie. Mais oui, mais ce sont des disciplines où on trouve les personnes qui ont une capacité élevée d'analyse des données ou des faits. Nguanda, par exemple. Vous savez où il a été recruté ? Il est encore étudiant en dernière année, en philosophie. Oui. Et beaucoup d'anciens agents de sécurité de notre pays venaient parfois de la faculté de psychologie de Tsangani, et même d'ici. Et d'autres venaient de l'UPEN à l'époque, au département des géographies à l'époque. Vous voyez ? Parce que ce sont des domaines des sciences sociales. Vous voyez ? Et qui forment des personnes ayant des capacités d'analyse importantes. Comment travaille un agent de renseignement ? Un agent de renseignement a ce qu'on appelle une source. Il cherche une source. Il repère une source quelque part ou dans un domaine donné où il souhaite recueillir des renseignements. Il recueille des renseignements par les sources. Alors là, je parle d'une source humaine, hein, parce qu'il y a plusieurs sources aujourd'hui, sources de renseignements. Nous avons la source humaine, celle de la source traditionnelle. On a également la source technologique et la source cyberespace. Cyberespace, bien sûr. Donc, ce sont des renseignements recueillis par des satellites, des photos satellites. On n'a pas de satellite, le Congolais. Ah non, on n'a pas. On en est encore trop loin. Trop loin. J'espère qu'on y parviendra un jour. Ce sont les États-Unis et la Russie qui sont les leaders dans ce domaine de renseignements cyberespace. Nous, pour le moment, on se contente des renseignements des sources humaines. Et on a quelque peu, et aussi des renseignements des sources technologiques. Alors, c'est-à-dire, pour que nous ayons des services d'enseignement efficaces, ça peut nous prendre combien de temps ? On a quand même de jeunes bien formés dans l'université, il faut les recruter. La spécialisation en renseignement, ça prend combien ? C'est 8 mois ou 10 mois tout au plus. Tous ceux qui sont partis, les anciens qui sont très vieux aujourd'hui, malheureusement, qui ne sont plus opérationnels, qui sont passés par les écoles de renseignement en Israël, en France, aux États-Unis, c'est 10 mois. Après 10 mois, vous revenez au pays et puis on vous est déployé sur le terrain. Qu'est-ce qu'on vous apprend ? On apprend les techniques de recueil des renseignements, d'analyse, de recueil d'informations, je voulais dire, d'analyse de ces informations qui sont brutes, parce qu'il y a un cycle
une information. En fait, les renseignements, c'est tout un cycle. Vous avez d'abord l'information que vous avez recueillie. Vous la traitez. Vous la traitez comment? Par l'analyse. Vous la, après l'analyse, cette information devient renseignement. Devient renseignement et il peut servir à ce qu'on appelle les renseignements opérationnels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de cette information qui a été recueillie, traitée par l'analyse, et qui devient renseignement dans un domaine quelconque, peut servir pour pouvoir anticiper. Vous voyez? Par exemple, je prends un exemple. Oui. Vous voyez, je prends un exemple tout simple. Vous voyez, par exemple, au marché de Kinshasa, oui. Une crise subite, crise des manioc, subite, crise des chikwang. Subitement, les manioc, les chikwang disparaissent du marché. Malgré que les commerçants viennent, il y a des camions qui viennent de Bandundu, du Congo central, des manioc et des sacs de manioc et tout, ou des chikwang, mais il y a une crise persiste. Sans renseignement, on appelle ça signaux faibles. Les renseignements, c'est l'observation. Mais le service de renseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'interroger. Est-ce que vous êtes... Pourquoi est-ce qu'il y a une crise au marché? Pourquoi est-ce que les chikwang des manioc disparaissent d'un coup? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Ça veut dire quoi? Par exemple, s'il y a des troupes massées quelque part. Vous savez, quand il y a des troupes quelque part, massées quelque part, cachées quelque part, ils consomment beaucoup, ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup, c'est-à-dire cette nourriture-là va quelque part. Donc le renseignement va chercher à savoir, à recueillir des informations. Comment, où et qui achète ces chikwang? Ces sacs de manioc, des riz qui disparaissent d'un coup? Jusqu'à ce qu'ils vont tomber sur, pour comprendre que, ah oui, ces manioc qui disparaissent, ces chikwang qui ne sont plus, qu'on retrouve sur les marchés, sont achetés en masse pour nourrir des troupes qui sont quelque part, cachées quelque part. Vous voyez comment le renseignement fonctionne? Ça fonctionne par ce qu'on appelle les signaux faibles. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous savez, les attentats du 11 septembre, les terroristes qui étaient aux États-Unis depuis 2 ou 3 ans et qui suivaient des formations de pilotage. Hein? Le 11 septembre. Le 11 septembre. Aux États-Unis. Ils étaient aux États-Unis depuis plusieurs 3, 4, 5 ans, 6 ans. Mais ils faisaient une formation, tous les 5, une formation de pilotage. Donc ils préparaient déjà l'attentat 5 ans avant. 5 ans avant. Alors, mais le service de renseignement français, américain était au courant de leur présence sur les territoires. Ils trouvaient normal que les gens viennent apprendre les pilotages dans leur pays. Mais ceux qui n'ont pas compris, ils ne sont pas allés un peu plus loin pour comprendre quel type de pilotage ils apprenaient. Ces terroristes n'apprenaient pas l'atterrissage. Ils ne prenaient que le pilotage en altitude. Mais ça pouvait éveiller quand même. Ça pourrait interroger. Pourquoi ils n'apprennent pas quand on apprend à piloter? Mais attends, on apprend à piloter, on doit apprendre aussi à décoller et à atterrir. Mais eux, non. Ils n'apprenaient que les pilotages en altitude. Comme ils auront ces détails leur a échappé, parce que s'ils s'étaient rendus compte de ces signaux faibles, s'ils s'étaient interrogés sur quel type de pilotage ils étaient en train de préparer, ils auraient anticipé l'attentat. Ils les auraient convoqués pour les entendre. Pourquoi vous n'apprenez seulement à piloter en altitude et non, vous n'apprenez jamais à atterrir ni à décoller? Et on a vu, ces jours-là, ils ont embarqué comme tout le monde dans l'avion. Et quand l'avion a décollé directement, ils étaient armés des couteaux,
ils ont neutralisé les pilotes. Et ensuite, ils ont repris les commandes des avions, et ces 3 ou 4 avions, ils ont repris les commandes parce que c'était très coordonné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés s'écraser dans le ces tours jumelles. Vous voyez, de façon coordonnée, parce que c'est ce qu'ils ont appris. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, si les services secrets étaient au courant de comment ils apprenaient, quel type de pilotage ils auraient anticipé. Donc, c'est pour revenir à votre question. Les renseignements servent à anticiper les choses. Malanga ne se serait pas permis de rentrer dans la ville de Kinshasa et aller faire ce qu'il a pu faire au palais de la nation. S'il y avait des renseignements, si on avait, les services avaient anticipé sur ce que... Parce qu'il me semble qu'on savait qu'il était là. Il était déjà suspecté par le service. Mais on pouvait bien anticiper ce qu'il a fait pour l'arrêter bien avant qu'il fasse ce qu'il a fait. Et on a vu, vous avez vu, le président de la République a réagi tout de suite là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a... virer l'ancien administrateur de renseignement, de l'ANER. Parce que cette affaire a révélé quand même les défaillances de nos services de renseignement. C'était ça son rôle. Donc, voilà, c'est pour vous faire comprendre qu'il nous faut des agents bien formés. Des agents bien formés, déjà sur le plan au niveau universitaire, et ensuite, au niveau professionnel, dans des écoles, des renseignements, des hauts niveaux. Et ça nous éviterait, ça nous permettrait de... Voilà, ça permettrait au gouvernement de pouvoir anticiper des attaques qui nous viennent d'autres pays. Et par exemple, de pouvoir lutter avec efficacité contre... tous ces groupes armés qui pullulent sur notre territoire, parce qu'on aura des professionnels qui ont des renseignements vraiment stratégiques et opérationnels qui permettent d'anticiper donc les actions de l'ennemi. Vous parlez des États-Unis comme étant un grand pays où les renseignements sont très très développés. Absolument. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des incidents, qu'il y ait des attaques, qu'il y ait des milliers de morts. Mais justement, ben oui, vous avez raison, mais on est humain. Il y a toujours une faiblesse toujours dans toutes les actions humaines. Et donc, je viens de détailler ce qui n'a pas été repéré par les services de renseignement américains dans la préparation de ces attentats. Ils étaient au courant, bien sûr. La CIA était au courant. Toutes ces unités de renseignement américains étaient presque au courant. Mais les détails les échappaient. Et quand un seul détail vous échappe, en matière de renseignement, ça peut être fatal. Un seul détail. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas en mesure de pouvoir détecter les signaux faibles, ça peut être fatal par la suite. Joseph Kabila est celui qui soutient Corneille Nangaa et l'AFC. Vous pensez que c'est une information stratégique? Oui, mais le président l'a dit ouvertement. S'il permet de pouvoir le dire ouvertement, je pense qu'il est bien renseigné. Il est président de la République renseigné. Il est renseigné par nos services de renseignement internes et également par ses propres sources privées aussi. Et il y a aussi des partenaires. Nos services sont quand même des partenaires aussi à l'étranger avec lesquels ils échangent des renseignements. Je pense que s'il a pris les risques de pouvoir les dire aussi librement, je pense qu'il est... c'est vrai. Donc, c'est vrai que Joseph Kabila est derrière la rébellion de Nangaa, de Corneille Nangaa. Mais il faut comprendre. La rébellion coûte très, très cher. Faire une rébellion, il faut avoir beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Déjà, en armement... Les armes coûtent très très cher et il faut avoir des troupes qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller, qu'il faut soigner.
voyez ce que je veux dire? Ça coûte énormément d'argent, beaucoup d'argent, des millions. Peut-on penser un seul moment que Nanga est en mesure de pouvoir dépenser autant de millions par mois, parfois, même si on sait qu'il a, bien sûr, qu'il a mis la main sur une partie de financement de la CENI, ça c'est une évidence. Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir aujourd'hui entretenir une rébellion de ce type-là? Non, il y a des financements extérieurs. Du Rwanda, particulièrement. Du Rwanda. Et de l'Ouganda. De l'Ouganda et de Joseph Kabila, comme le président l'a dit. C'est pas moi qui l'invente. Voilà. D'accord. Monsieur Joseph Kamunga, certaines sources d'informations renseignent également que les dix ambassadeurs sont des agents de renseignement de leur propre pays. Absolument. Est-ce que cela est évident? Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans toutes les ambassades du monde, il y a toujours un agent de renseignement, un attaché de l'ambassade qui, lui, est chargé, qui est envoyé, qui est là pour, en tant qu'agent de renseignement, pour son pays. C'est ce qu'on appelle les contre-espionnages. Tous les pays. Nous l'avions à l'époque. Nous avions des professionnels à l'époque qui étaient aussi dans nos ambassades partout où nous étions présents et qui recueillaient des informations, qui les traitaient, qui les transmettaient. C'est tout à fait normal. Nguanda, à un moment, était agent de renseignement en Belgique. Il était détaché à l'ambassade, notre ambassade à Bruxelles. Nous avions d'autres. Mokolo également avait été également à l'extérieur, je ne sais pas dans quel pays. C'est tout à fait normal. Mais vous devez avoir des gens bien formés. Malheureusement, pour le moment, je suis très perplexe. Je ne pense pas que nous ayons des gens à la hauteur de pouvoir faire ce travail des contre-espionnage. Parce que c'est grâce à eux. Qu'est-ce qui vous rend pessimiste ou perplexe? Non, parce que les temps qui est passé a détruit beaucoup de choses dans notre pays. Vous savez, quand Kabila... Laurent Désiré Kabila est rentré. Quand Joseph Laurent Désiré Kabila est rentré, est entré chez nous avec des Rwandais, il est venu avec son propre service de renseignement. Tous les agents de l'ANR qui étaient là, il y en a qui sont partis en exil. Presque beaucoup sont partis en exil, ont fui. Ce sont les services de l'ANR, de renseignement de l'AFDEL, qui étaient installés ici chez nous. De quelle nationalité déjà? Non, mais il y avait parmi eux des Rwandais et des Congolais. Hein. Il y avait des Congolais et des Rwandais. Et quand les Rwandais sont partis, ce sont des Congolais qui sont restés. Oui, donc ça a complètement bouleversé la structure même. La structure de notre service de renseignement a été complètement déstructurée, désorganisée par cet événement-là. Donc il a fallu revoir, réformer, reconstruire ce qui a été détruit. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les États-Unis ont-ils parrainé la rébellion de l'AFD à l'époque? C'était quoi leur intérêt? Parce que ça revient à ce que je venais de dire tout à l'heure, que les centres géostratégiques s'étaient déplacés vers l'Est. Et c'est déplacé aujourd'hui vers l'Est. Les centres géostratégiques pour le Congo, pour nous, pour l'Afrique, n'est plus au centre, mais c'est à l'Est. Oui, justement, c'est au Congo, oui. Mais à l'Est du Congo. Parce que à l'époque, c'était pour lutter contre la doctrine, l'idéologie du communisme. Mais maintenant qu'il n'y a plus de communisme, maintenant qu'il n'y a que le capitalisme qui l'a emporté, ben maintenant c'est la course aux ressources. Partout où il y a des ressources, ben il faut faire la guerre là-bas et pour pouvoir capter ces ressources. Parce que nous sommes dans l'ère du capitalisme. Il n'y a plus de communisme. Mais qui font la guerre, là, est de la RDC? Précisément, c'est qui? Ceux-là qui? Il y a plusieurs acteurs. Oui. Plusieurs acteurs. Il y a des multinationales qui nourrissent, qui alimentent la guerre à travers des petits groupes, des petits, comment on les appelle, les groupes armés et tout.
Hein? Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'ombre. Je pense que j'espère que nos services de renseignement sont peut-être placés pour savoir détailler qui est qui. Hein? Mais il y a plusieurs acteurs qui sont derrière. Et même le Rwanda. Vous savez, quand le Rwanda est avec l'armement qui est là aujourd'hui, mais le Rwanda n'a pas les moyens de pouvoir s'octroyer cette technologie militaire dont il dispose aujourd'hui. Pas du tout. C'est une armée de combien de personnes? De 33 000 hommes. Avec un budget de combien? D'environ 200 à 300 millions. Nous avons un budget de combien? Environ des milliards. Nous avons plus de 130 000 hommes, dont on a au moins 100 qui sont actifs, qui sont en état de combattre. Hein? Mais le Rwanda en a 33 000. Sur 33 000, vous avez 4 à 5 000 sur notre territoire, avec un armement très sophistiqué, qui coûte énormément cher. Où les Rwanda tirent-ils les moyens de pouvoir s'équiper d'un tel armement s'il ne s'agit pas, s'il ne reçoit pas des financements, des aides de l'étranger? Alors, il y a l'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, qui a été expulsé par les autorités congolaises. Oui. Celui-ci retourné au Rwanda. Le Rwanda voulait l'envoyer en Belgique comme ambassadeur. La Belgique a également refusé. Oui, mais c'était un agent. Karega était un agent. Un agent, ambassadeur, hein, un agent de sécurité, de service de renseignement rwandais, sous couvert de statut d'ambassadeur. Et d'ailleurs, les services de renseignement, tous les agents, la plupart d'agents qui sont chez nous, ils agissent sous couvert. Ils sont sous couvert attachés d'ambassade, secrétaires d'ambassade. Dans certains pays, il y en a qui agissent sous couvert des médecins. D'autres agissent sous couvert d'ingénieurs, d'hommes d'affaires. Hein, comme la Chine, c'est une grosse machine de renseignement. Et qui déploie plus de 2 ou 3 millions d'agents de renseignement à travers le monde, mais qui agissent sous couvert de statuts divers, et même des étudiants. Vous savez, il y a quelques mois, on a arrêté des étudiants chinois aux États-Unis et qui transmettaient les données dans leur pays, qui étaient venus comme stagiaires alors qu'ils étaient là. C'était des agents de renseignement qui recueillaient des données et qui les transmettaient dans leur pays. Vous voyez. Donc, les agents de renseignement agissent sous couvert de plusieurs qualités. D'accord. Ça peut être un médecin, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un dentiste, ça peut être je ne sais pas qui, mais au fond, c'est un agent de renseignement. Et c'est difficile de pouvoir les repérer. Hein. Il faut vraiment avoir assez de finesse pour pouvoir repérer que ce type-là, c'est en réalité, c'est un agent de renseignement de tel ou tel pays, mais qui est à l'ambassade. Et voilà, c'est comme ça fonctionne. Voilà ce que je veux dire. D'accord. On est en train de terminer, de chuter. Vous êtes également expert de la défense et de la sécurité. Alors, M. Joseph Kamunga, notre système de défense, c'est quoi les éléments qui font sa force ou sa faiblesse? Qui feront sa force ou sa faiblesse? Alors, notre système de défense en dehors de renseignements peut être renforcé déjà par l'armement. Nous devons renouveler notre armement et nous devons également l'adapter au contexte actuel. Vous savez, en matière d'armement, il y a des armes qui ne sont plus opérationnelles aux enjeux actuels, et qui ne sont plus adaptées aux enjeux de la guerre actuelle, aux enjeux de ce qu'on appelle la guerre moderne, des nouvelles guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons l'exemple des missiles solaires, et qui sont redoutables. Une arme redoutable pour qui défense aérienne. Alors, les drones, par exemple,
Vous savez, un drone, aujourd'hui, nous avons les drones jouent plusieurs rôles. Mmh. Il y a des drones de défense, des drones d'attaque, mmh. il y a des drones de recueil de renseignements. C'est-à-dire, ils vont absolument pour prendre les photos, des données et tout, le paysage, la topographie, les positionnements des troupes ou des armes. Toutes ces données sont transmises au centre, au PC pour pouvoir les analyser. Alors, mais quand vous avez des drones de basse altitude, mais de longue durée, mais ces drones sont très fragiles, ne peuvent pas résister au tir d'un missile solaire. Nous devons, c'est pour vous dire, que nous, très cher, ce sont des armes qui coûtent énormément cher. Nous devons nous équiper de missiles de type SAM. Hein. Ce sont des missiles solaires autoguidés, infrarouges. Nous avons droit, nous avons aussi les moyens de pouvoir les acheter, nous en équiper. Mais il faudra aussi avoir des personnes, des personnels militaires en mesure de pouvoir manier ces armes, les maîtriser. C'est ça aussi un problème. Vous pouvez vous équiper, avoir des armes, mais vous n'avez pas de spécialistes pour pouvoir les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Cela est arrivé en 94, 95, lorsque Kisangani est tombé. Oui. Donc, Mobutu a acheté beaucoup d'armes, mais qui sont restées inutilisables. Et même inutilisées. Parce qu'il n'y avait pas de gens formés à l'usage, à la manipulation de ces armes. Beaucoup d'argent dépensé pour rien. Beaucoup d'argent. Donc, non seulement on doit s'équiper en armes modernes, de la dernière technologie militaire, mais aussi envoyer nos officiers en formation pour pouvoir utiliser ces armes. C'est ça le problème. Ça ferait partie de la solution pour pouvoir renforcer notre défense. Mmh. Et notre système de défense sur le plan géographique oui. doit être amélioré. Vous savez, quand les Rwandais sont rentrés ici, avec les musées, le Rwanda Désiré Kabila, mmh. vous savez d'où les officiers rwandais sont partis en premier quand ils ont pris, parce qu'ils étaient, ce sont les Rwandais qui avaient l'état-major général. Vous savez, c'est d'où ils sont partis, en quoi, qu'est-ce qu'ils ont récupéré en premier? C'était des cartographies de notre système de défense. Rwandais. Ils ont récupéré la cartographie, plusieurs cartes de défense de notre système de défense. Ils ont récupéré, sont partis avec. Donc vous voyez, vous comprenez très bien que lorsque vous avez votre système de défense, on a récupéré les données, on récupère les cartes de votre système de défense, mais vous êtes fragilisé quelque part. Est-ce que la fragilisation a commencé avec l'entrée de la FDL? Absolument, oui, oui. Vous savez, la FDL a été, c'est un drame pour nous. C'est un drame? Un grand drame pas pour une, ces pays. Pas une libération comme... Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut que les gens cessent cette escroquerie morale, même intellectuelle. La FDL a été un drame pour notre pays. Je viens de vous parler des cartographies qui ont été emportées, cartographies militaires de défense, emportées par ces Rwandais. Et jusqu'aujourd'hui. Mais ils prennent les documents, ils sont partis avec. Hein? Ils sont partis avec, ils ont copié, ils ont compris, voilà comment fonctionne le système de défense de la RDC. Voilà, il faut. Vous savez, la défense, il y a des choses qu'on a, des situations de faits et des éléments, des informations classées secret défense. Classées secret défense, que personne ne peut accéder à ça. Sauf, il y a les présidents de la République, l'état-major général, les services de renseignement, ce sont eux qui sont habilités à accéder à tout ce qu'on appelle secret défense. Mais lorsque on vous vole, on vous vole vos cartographies,
de défense, ben, on sait déjà comment vous pouvez vous défendre. On sait vos faiblesses et vos forces. Mais ça date quand même. Hein? Ça date quand même. C'est depuis 97. Ben oui, mais je pense, oui, depuis 97. C'est pourquoi je pense 26 que ans, 20, l'état-major, 27 ans. Je pense que depuis 7 ans, l'état-major, j'espère que l'état-major a pu reconstituer une nouvelle, voilà, de nouvelle cartographie de défense de notre territoire. J'espère, oui, c'est sûr qu'ils l'ont fait. Ils le font. D'accord. Ils l'ont fait. Voilà. Voilà, pour terminer, juste pour. Vous savez, parlant de cartographie de défense, tout ça et tout, vous savez, quand les rebelles de Laurent Désiré Kabila, les Rwandais, sont arrivés à Kenge, là, à Kenge, on les a arrêtés. Les DSP les avaient arrêtés là. Ils ne pouvaient pas traverser Kenge. Comment ils ont pu traverser Kenge? Tout le monde les sait désormais, parce qu'il y a des articles du journal comme Le Monde ou encore comme Jeune Afrique, elle a dit. Le général Maïlé, qui était à l'époque en contact direct avec Joseph Laurent Désiré Kabila, il a trahi. Par un téléphone satellitaire. Hein? Les Américains lui avaient donné, il y avait un téléphone satellitaire qui a été envoyé à Maïlé pour entrer en contact avec Laurent Désiré Kabila. Et quand les troupes ne pouvaient pas traverser, étaient complètement bloqué à Kenge, Laurent Désiré Kabila qui appelle Maïlé, mais attends, mais mon général, mais comment, qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais vous donner, il y a une route là. Il y a une route, vous prendrez cette route-là, et ensuite vous allez contourner. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Maïlé a trahi. Mais c'est par là, l'acte de trahison. Donc, quand ils ont eu cette information, qui est géographique, qui est géostratégique, ils ont pris cette route, ils ont contourné les troupes de la DSP à l'époque, Division Spéciale Présidentielle, et voilà, les verrous de Kenge est tombé. C'est par là que Mobutu a décidé de partir. Parce que on ne pouvait plus, Maïlé lui a dit qu'on ne pouvait plus assurer votre sécurité, le Kenge est tombé. On voit un peu. Donc la FTL avait déjà pris le verrou stratégique. Justement. Donc on ne peut pas faire la guerre si on n'a pas une cartographie de défense ou de l'offensive, des renseignements aussi, pertinents, et opérationnels. D'accord. Pour pouvoir gagner la guerre. En 30 secondes, vous pouvez regarder la caméra, dire aux autorités ce que vous trouvez d'essentiel, d'importantissime. Pour le redressement de notre système de défense, de sécurité, même des renseignements, en quelques minutes, en quelques secondes simplement. En quelques minutes, il faut reconnaître que nos forces armées ont fait beaucoup d'efforts. L'armée, certainement, a été réformée. On voit bien que l'armée a été rajeunie. C'est une très bonne nouvelle pour notre armée. On a beaucoup de jeunes désormais. Donc, et notre armée a su, bien que mal, à contenir la guerre. À l'Est. La guerre ne s'est pas répandue sur tous les territoires. Vous voyez, c'est déjà un point positif de notre armée. Notre armée a pu entraîner l'ennemi, l'M23 et les Rwandais dans une sorte de bourbier aujourd'hui. Donc ils sont restés là où ils ont enclenché la guerre et la guerre ne s'est pas propagée sur les territoires. C'est déjà un point positif. Donc que les efforts continuent. Que l'état-major continue à mener des efforts, à moderniser l'armée, à équiper l'armée. Et nous avons espoir que nous allons reconquérir ces territoires qui sont aujourd'hui occupés, mais qui ne sont pas perdus pour toujours. Donc, l'espoir est permis. Et voilà tout ce que je peux dire à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur Joseph Kamuanga. Vous êtes expert en stratégie, sécurité et défense. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Entre les lignes. Nous osons croire, espérant qu'elle sera massivement suivie. Merci beaucoup, j'espère aussi. Merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs, de votre fidélité à votre chaîne congobeuse, votre émission particulièrement Entre les lignes. Nous traitons des questions
Nous voulons vous le faire comprendre à travers les lignes, entre les lignes. Portez-vous bien et à très très vite. Au revoir.